Au Mali, depuis des siècles, des fidèles musulmans et chrétiens cohabitent parfaitement en harmonie. De nos jours, malgré de nouvelles tendances religieuses et des tensions sur les réseaux sociaux, des jeunes fidèles des différents courants religieux se font les chantres du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Mon père est musulman, ma mère est chrétienne. Cela ne m'empêche pas d'aborder ma religion musulmane, c'est vrai, mais en même temps aussi, j'ai des atouts aussi qui me permettent d'avoir le du côté chrétien. Chacun accepte d'intégrer et d'en savoir un peu plus sur la religion de l'autre. C'est en ce moment-là qu'on aura une autre image de la religion de l'autre et on aura aussi surtout l'ouverture d'esprit de savoir que, mais en fait, nous parlons totalement de la même chose en fait. Que ce soit un musulman, que ce soit un chrétien, le message reste le même. Les deux prônent la paix. C'est à nous, surtout la population, de voir ce qui existe et réel et on va à l'essentiel. La religion, oui, c'est vrai, il y a la religion, on est tous d'accord avec ça. Mais tout d'abord, on est d'abord frères et sœurs. Et on doit ne pas oublier ça nulle part. La religion ne nous distingue pas. Je pense que si on a mal compris la religion, on va la prendre comme quelque chose qui nous fait des frontières. Et pourtant, ce n'est pas le cas chez la religion. Des associations religieuses en place depuis quelques années jouent un grand rôle pour la consolidation de la cohésion sociale entre les différents leaders religieux sur diverses thématiques comme le dialogue interreligieux, les violences basées sur le genre et d'autres sujets sur la religion et la société dans tout le Mali. Nous jouons beaucoup de rôles dans la bonne collaboration, dans la cohabitation, dans la bonne compréhension et vivre ensemble au Mali en paix entre les musulmans et les chrétiens. Appeler les gens à écouter les bonnes paroles de Dieu et à l'appliquer sur eux-mêmes pour que ce soit un bon chemin tracé pour arriver à Dieu. Pour pérenniser cette bonne cohabitation entre les confessions chrétiennes et musulmanes du Mali, le leader religieux et des jeunes fidèles incitent la population au respect des religions et l'opinion de l'autre, tout en prônant la diversité des religions au Mali. Dieu est un. Les religions, le christianisme est plus vieux que l'islam. Jésus est le frère de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour compléter la mission de Issa, qui est Jésus-Christ, pour nous, les musulmans. Comme Issa est venu compléter la religion de Moïse. Donc, toutes les religions viennent de Dieu. Je dis bien les religions célestes. L'Alliance des leaders religieux musulmans et chrétiens espère que les messages de paix qu'elle prêche soient attendus par les Maliens de tous les bords pour un Mali meilleur.